Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Père, toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix, ouvre nos cœurs par ton Saint-Esprit au mystère de ta nouvelle venue dans la lecture et la méditation des Saintes Écritures. Comme les pauvres d'Israël qui attendaient la manifestation de ton Christ, nous voulons demeurer disponibles. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Alors nous lisons tout d'abord, ce sont les textes du jour, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les versets 1 à 5. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur, t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur, tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi, les trésors des nations afflue jusqu'à toi. Et puis nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 3 à 8. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière le Jourdain. Il lançait cet appel : changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Alors arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. » Et pour terminer, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au premier chapitre, les versets 3 à 11. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée. Aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus,
qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire de la louange et à la louange de Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216 les strophes 1, 2 et 3. 216, 1, 2. Ô viens, berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit, dans la violence il vit son exil, de ses souffrances quand renaîtra-t-il? Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, fleurit pour nous racine de Jessé, près de l'eau vive, l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Ô viens Jésus, tracez notre chemin, visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Thank you.
Quand tout devient si compliqué, au point de douter qu'une vérité puisse éclairer un présent confus et encore moins des lendemains incertains, quand tout a été soumis à une accélération permanente, de telle sorte qu'aujourd'hui nous ne savons plus comment nous arrêter, changer de direction, et qu'en plus nous percevons que nous n'avons peut-être même plus le temps de prendre une quelconque décision, que notre destin est déjà inscrit dans les tablettes rigides des algorithmes des prévisionnistes, nous sommes alors pris de vertige, voire tétanisés, sidérés. Et quand nous voyons que les petits espoirs qui de ci de là s'incarnent dans des solidarités heureuses au cœur du règne de l'absurde s'effondrent devant quelques bulldozers de la grande machine industrielle ou devant l'implacable forteresse d'un droit qui demeure malgré tout celui du plus fort. Et j'ai en tête ici ce qui aujourd'hui même se passe par exemple en Guyane française où un projet de mine d'or menace la forêt, la vie et la culture de minorités heureuses. Eh bien, quand tout cela arrive, le désespoir n'est pas loin. Et quand je vois en plus que quelques jeunes dirigeants vieillis avant l'âge ne nous proposent comme avenir, et en cela pas moins clairvoyants que leurs cyniques prédécesseurs ou opposants, que de nous adapter sans cesse et toujours mieux à ce monde qui passe, comme si la formation qu'ils avaient reçue les avait privés définitivement de toute imagination et de ce fait de toute capacité d'écoute, d'attention, de réflexion, comme si d'ailleurs leur smartphone, vecteur de toutes leurs addictions, les avait décidément emprisonnés dans un monde virtuel, hors sol. Alors, je comprends que la déprime nous gagne, que certains sombrent dans une indifférence solitaire ou dans une neurasthénie collective qui, paradoxalement, devient le lit d'une violence insensée. Alors ne nous étonnons pas si ce que nous avons vécu et vivons encore aujourd'hui en France soit si indéchiffrable pour les représentants institutionnels de notre peuple, comme pour les éditorialistes patentés qui veulent formater notre opinion quand ils ne succombent pas à la joie mauvaise des prophètes de malheur qui nourrissent l'audimat. Alors bien sûr, on va hâtivement chercher dans un passé récent quelques repères. Pour les uns, nous sommes dans les années 30, la montée des fascismes, des nationalismes. Et le point Godwin est très vite atteint dans tous les échanges. Vous savez, l'évocation d'Hitler ou du fascisme qui surgit régulièrement dans une conversation ou un débat. Pour d'autres, nous vivons peut-être une réplique au sens sismique du terme de l'année 68, 50 ans après, qui fut une sorte de tremblement de terre pour le monde occidental. Et pour d'autres encore, pourquoi pas les prémices de 1789 avec l'apparition des sans-culottes. Alors oui, je me dis que nous avons de nombreuses raisons de déprimer. Mais pour ma part, et en laissant maintenant de côté ces appels à la courte mémoire de notre histoire, c'est vers les histoires plus anciennes que le texte biblique nous a transmises que je veux me tourner. C'est un acte de foi, bien sûr, c'est un choix délibéré, mais je peux faire un tout petit peu d'apologétique pour défendre ce choix. Pourquoi ce choix donc? Pour nous chrétiens et peut-être pour d'autres aussi, plus discrets, le choix du texte biblique pour trouver un sens à notre actualité est fondé sur le fait
qu'il est le témoignage rendu à celui que nous désignons comme notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'histoire, parce que nous savons qu'il est lui, Jésus, le témoin d'un accomplissement heureux de la création et de l'histoire qu'elle se donne, une histoire faite de crucifixion, mais de résurrection, de souffrance, bien sûr, mais de guérison aussi. Et si cette histoire plonge ses racines dans l'histoire même d'un peuple en particulier parmi les autres, le peuple juif, ce n'est pas pour l'ériger en symbole d'une élection qui en ferait un totem religieux intouchable, mais pour indiquer à tous, à tous les peuples, chacun dans sa propre histoire, que jamais la vie donnée, la vie offerte, ne baissera les bras devant l'adversité, devant l'adversaire. Alors, outre ce choix d'ouvrir la Bible, je pousse la confiance de l'ouvrir là où en ce deuxième dimanche de l'Avent, nos listes de lecture nous le proposent, parce que en toute chose, il est préférable, je pense, de commencer par écouter ce qui vient vers nous, sans que nous l'ayons choisi, pour comprendre ce qui se passe, plutôt que d'éclairer nos propres jugements a priori par des textes que nous choisirions à bon escient pour nous en justifier. Alors, tout d'abord, ce texte du prophète Ésaïe. Vous le savez, les textes assemblés sous l'unique nom d'Ésaïe ont été écrits à plusieurs époques assez distantes. Celui-ci est tiré de ce que l'on a appelé le troisième Ésaïe, écrit quelques années après l'édit de Cyrus, qui permit à Israël de mettre fin à son exil. On est donc après 538 avant Jésus-Christ. Et nous avons là sous les yeux la description d'un royaume rassemblé autour de sa capitale, Jérusalem, qui retrouve sa splendeur et même sa puissance. Tu rayonnes de bonheur, ton cœur éclate de joie. Les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors des nations affluent vers toi. Regarde bien autour de toi, dit le prophète. Le problème, car il y a un problème, c'est que cela n'est pas vrai. Le retour d'exil n'a pas été une partie de plaisir. Jérusalem est en ruine. Les revenants constatent que tous leurs biens ont été accaparés par une minorité restée sur place qui avait composé avec l'envahisseur. Le Dieu vivant de l'Exode avait été oublié au profit d'idoles plus complaisantes et sécurisantes. Bref, ce peuple heureux de retrouver sa terre promise vit dans une grande précarité aggravée par une injustice sociale flagrante, et en un mot, il déprime. Après la grande exaltation, c'est la grande dépression. Et au fond, le propos d'Ésaïe est de remonter le moral à ce peuple. Il y arrivera, puisque quelques siècles après, Jésus lui-même se reconnaîtra dans la prédication de ce prophète. Ceci dit, nous pouvons être troublés par cette étrange mystification qui consiste à évoquer une autre réalité que celle qui est, dirait-on, évidente. Serait-ce que l'évidence n'est pas toujours vraie? Et au fond, ce texte est une mise en garde. Son but est justement de nous extraire de ce cycle infernal qui, à l'exaltation, voit succéder la dépression et, dans une répétition permanente, voit succéder l'exaltation à la dépression. Car Ésaïe, ou plutôt cet auteur qui se réclame de son autorité, sait bien qu'il est indispensable de remonter le moral à ce peuple en déroute, de l'aider à relever la tête, et que pour ce faire, il faut utiliser les moindres signes d'espérance, les mettre en valeur, les exhiber en quelque sorte pour être convaincant. Mais en même temps, il sait que ce peuple, comme tous les peuples, comme nous tous d'ailleurs, nous sommes promptes à nous glorifier dès qu'une quelconque réussite nous redonne de la fierté. Il n'y a pas une grande distance entre
relever la tête et bomber le torse. Si aujourd'hui Ésaïe exhorte le peuple à voir que derrière les évidences inquiétantes, une autre réalité réconfortante est présente, demain, d'autres prophètes rappelleront à Israël, lorsqu'il aura retrouvé un petit peu de liberté, de prospérité, que derrière ces nouveaux acquis, il y a non pas de quoi se glorifier, mais avant tout d'être reconnaissant envers ce Dieu toujours libérateur. C'est à ce prix que l'on peut relever la tête, se remettre debout et reprendre le pèlerinage vers ce royaume où l'on n'entendra plus parler de violence et d'injustice. Et bien entendu, le texte de l'évangéliste Luc qui évoque Ésaïe vient éclairer les propos du prophète. Luc met en scène Jean-Baptiste, dont les imprécations implacables, redoutables, nous brisent encore les oreilles. À ce même peuple dont nous venons de parler, voilà qu'il s'adresse à lui en le traitant de bande de serpents. Et cela pour une raison toute simple, c'est qu'Israël s'est cru possesseur de la gloire qui revenait à Dieu. Depuis Ésaïe, Israël avait connu bien des déboires, à tel point que dominé par des empires successifs persécuteurs, il n'avait pu garder la tête haute qu'autour de la mémoire un peu fossilisée de son histoire. Cette mémoire était devenue une idole. Abraham est notre ancêtre, disait-il. Cela suffit, nous avons la vérité. Notre déprime récurrente, nous l'avons jugulée en nous réclamant de celui qui est notre pure origine incontestable et incontestée. Ainsi, de la fidélité à l'ostentation, il n'y a qu'un petit pas, et de l'ostentation à l'arrogance, il n'y en a qu'un autre encore plus petit. Et cela me fait penser, entre autres, à notre manière bien française d'évoquer une identité conçue dans l'héritage des Lumières, parfois, ou encore à la Révolution de 89, à la Déclaration des droits de l'homme. Pourtant, nous le savons bien, les identités peuvent être meurtrières lorsqu'elles se figent dans une incantation stérile et prétendent à une universalité impériale artificielle. Car, de même que Dieu peut utiliser des pierres pour en faire des descendants d'Abraham, de même, des valeurs salutaires peuvent être portées par quiconque dans notre monde, sans exclusive, sans discrimination aucune. Je disais à l'instant qu'il y a peu entre la fidélité et l'ostentation, et encore moins entre l'ostentation et l'arrogance. Ceci dit, si la fidélité mesure les dangers qui la menacent, si elle sait que de la déprime à l'exaltation, il n'y a qu'un pas, si elle sait que la route est semée d'embûches, mais aussi de bordées de merveilles, si elle sait que la vie est toujours plus forte, même si la mort la menace, alors nous pouvons marcher la tête haute, sans bomber le torse. Nous pouvons traverser les crises dans nos vies personnelles, nos vies de peuple, parfois déroutées et déroutantes, nos vies d'église, de paroisse, qui ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, mais qui, fidèles à la source qui les abreuve, peuvent toujours et encore recommencer, jusqu'à ce qu'advienne ce qui a déjà été accompli par celui qui a ouvert le chemin dans lequel nous mettons nos pas. Et c'est ce à quoi nous engage Paul dans la lettre qu'il adresse aux habitants de Philippe. Philippe, vous le savez, est la ville qui sera pour Paul sa première prise de contact avec ce que nous appelons aujourd'hui le continent européen. Ce détail n'a pas une grande importance, disons simplement qu'il signale pour nous
et une plus grande proximité avec ces chrétiens de Philippe qui ont participé à la construction de la culture dont nous avons hérité. Plus important, beaucoup plus important, est que dans cette épître, Paul ne craint pas de faire l'éloge de ce qu'est cette église de Philippe. Loin des réprimandes habituelles que l'on entend chez Paul lorsqu'il s'adresse à d'autres églises, ici, ce ne sont quasiment que des louanges. On a baptisé d'ailleurs cette épître « Épître de la joie ». Dieu qui a commencé cette œuvre bonne la continuera parmi vous jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Compliment exceptionnel et rare sous la plume de Paul. Souvent, un prédicateur d'aujourd'hui actualise les propos de Paul, fait comme s'il s'adressait à nous. Cela sert souvent de support à quelques admonestations fraternelles, bien sûr, mais fermes. Combien de fois a-t-on exhorté une paroisse à se réveiller en utilisant dans une prédication l'épître aux Romains, par exemple? Combien de fois a-t-on appelé à l'unité des églises en invoquant l'amour dont nous parle l'épître aux Romains? Eh bien, ce matin, Paul s'adresse à nous par cette épître aux Philippiens, dont nous pouvons dire qu'elle est aussi une épître aux Parisiens et pourquoi pas, bien sûr, aux oratoriens. Alors, vous ici rassemblés, Philippiens d'aujourd'hui, oratoriens de souche ou d'adoption, soyez tranquilles et sereins. Vous n'êtes pas des saints, bien sûr. Ou plutôt si, vous êtes des saints, mais vous n'êtes pas parfaits. Et vous ne méritez pas toutes ces louanges. Pourtant, Dieu, vous dit Paul, a commencé parmi vous une bonne œuvre et il la continuera jusqu'à son achèvement. Le temps est là de s'en réjouir. Alors bien sûr, vous pouvez et vous devez relever la tête, sans bomber le torse. Si vous avez l'humilité, comme le Christ, qui n'a pas voulu se prévaloir de son rang divin pour être homme parmi les hommes, alors, comme le dit Paul un peu plus loin dans la même épître, par vous, le règne de Dieu s'approche de cette humanité qui souffre et attend. Vous pouvez alors vous laisser envahir par cette joie imprenable de ceux qui, ne voulant garder rien pour eux-mêmes, se contentent, et c'est immense, d'être les serviteurs de celui qui, dans son obéissance, passant par le dénuement de la croix, est devenu une richesse pour tous. Aussi, cette richesse des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, vous pouvez, sans ostentation, sans arrogance, mais dans la fidélité à ce que vous avez reçu, les mettre au service de celles et ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Alors, pour terminer, dans ce temps de l'Avent qui vient de s'ouvrir et qui ouvre à toutes les aventures heureuses, nous avons certainement à discerner le cœur de notre mission. Il se trouve que notre actualité indéchiffrable réclame peut-être quelques repères que nous avons le droit et le devoir de donner. Le 9 décembre, il y a 113 ans, c'était la promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'était la fin de la collusion des pouvoirs. Ce fut une bonne chose. Mais aujourd'hui, de ce fait, notre pays manque de fraternité, de bienveillance et peut-être de repentance pour se relever. Et si l'Église, dans le passé, n'a pas su suffisamment l'annoncer et surtout le vivre, peut-être le moment vient où sur la place publique, au risque d'en souffrir,
elle doit rappeler cette exigence avec force. Et puis, il y a en ce moment même cette COP 24 en Pologne qui patauge et n'annonce rien de bon. Pourtant, il nous faudra bien changer de comportement, comme le disait Jean-Baptiste. Il faudra imaginer que nous pouvons être riches d'autre chose que de nos innovations incessantes et nos consommations prédatrices. Et les Églises, là encore, ont une interpellation forte à faire entendre au nom de leur confiance en un avenir heureux auquel les États défaillants, semble-t-il, ont renoncé. Et puis, comment passer à côté de ce que la France traverse ces jours-ci? Je ne crois pas que la prise de l'Arc de Triomphe était un blasphème ou un sacrilège, comme l'ont dit certains, comme si l'État était divin, mais c'était une violence contre notre État, signe d'une colère vive dans laquelle, malheureusement, les pulsions de mort qui nous occupent se libèrent. Et je crois d'ailleurs que notre État est ébranlé et que des fissures anciennes se révèlent et que des changements importants sont attendus et indispensables pour qu'une vie commune se restaure. À nous de rappeler que ces changements ne seront féconds que si la justice en est le chemin et l'horizon, une justice qui ne se satisfasse pas de petits ajustements timides, mais qui permet à chacun, ici et au loin, de vivre dans l'assurance qu'il a une place et que cette place est respectable et à protéger. Et ici, je ne parlerai ni de réforme ni de révolution, mais bien plus de ce jubilé qu'Israël avait inventé pour rétablir tous les 50 ans la justice initiale de l'entrée en terre promise que nous rapportent les livres du Deutéronome et du Lévitique. Alors mes frères, mes sœurs, dans ce temps de l'Avent, soyons debout, le Seigneur vient, il arrive, il est là, nous l'attendons, cette attente nous met en route, nous accompagne, nous fortifie, de telle sorte que par nous aussi, les signes du royaume éclairent dès maintenant notre peuple, la création tout entière, et celles et ceux qui l'habitent. Amen.